Taiyo Matsumoto est un auteur qui est un auteur très singulier. C'est peut-être ce qui le définirait le plus, c'est que c'est un auteur qui garde une singularité extrême dans une industrie dont on sait qu'elle peut être parfois extrêmement stéréotypée. Et c'est un auteur qui a, en 30 ans de carrière, construit une œuvre qui est extrêmement surprenante, dans laquelle il y a à la fois une évolution esthétique radicale et une constance dans les thématiques et dans le terreau extrêmement personnel qu'il va utiliser. Donc on a choisi d'intituler l'exposition « Dessiner l'enfance » parce que le titre pour nous a deux sens, c'est « Dessiner l'enfance », »,« Dessiner les enfants » parce qu'ils sont très présents dans l'œuvre de Matsumoto Taiyo, mais aussi « Dessiner sa propre enfance » parce que Matsumoto Taiyo a une enfance qui n'était pas une enfance ordinaire pour les Japonais. Puisque très tôt ses parents sont séparés, il va vivre avec sa mère et quand il a 6 ans, sa mère décide de le mettre dans un foyer. Et lui qui jusque-là a grandi à Tokyo se retrouve déraciné, abandonné par sa mère, placé dans un foyer du côté d'Osaka où les gens en plus parlent un dialecte différent du sien, donc il est vraiment complètement ostracisé. C'est une rupture absolument fondamentale chez lui et qui va traîner pendant 30 ans avant de pouvoir l'évoquer dans cette œuvre qui est une œuvre clé en quelque sorte, qui est Sony, dans laquelle il va raconter véritablement son histoire. Mais comme il est japonais, il ne va pas le faire à la première personne. Il va prendre des chemins détournés, prendre des masques, des personnages alternatifs pour raconter ce qui est véritablement son histoire. Alors c'est une rétrospective qui est vraiment exceptionnelle. On a 220 planches, un petit peu plus, 222 très exactement planches qui sont exposées et qui couvrent l'ensemble de la carrière de Matsumoto Taiyo, puisqu'on a y compris quelques planches qui viennent de Straight, qui est son tout premier travail, sa première série publiée, qu'il a beaucoup renié, qui n'a toujours pas été réédité au Japon. Donc. Mais c'était important pour nous de marquer ce début, pour suivre toute son évolution. La manière dont on a choisi de l'organiser, on avait la solution de facilité aurait été de faire une progression purement chronologique. On a décidé de trouver une sorte d'entre-deux, donc de commencer avec quelque chose qui est très très thématique, c'est-à-dire l'enfance, comment elle est représentée, comment est-ce que Matsumoto la représente, sachant que contrairement à ce qu'on voit dans les publications shonen, c'est une véritable enfance. C'est pas une enfance qui est fantasmée, où on a des enfants qui sont super courageux, super intelligents, plus que des adultes quasiment. Là, on a une enfance qui est dans sa fragilité, dans sa méconnaissance du monde, dans la manière dont elle essaie de comprendre ce qui l'entoure et dans toute l'inquiétude qu'elle a par rapport au fait de grandir et de rencontrer un monde des adultes qui l'inquiète énormément. Donc on a décidé de commencer autour de ça, donc il y a représenter les enfants, l'opposition entre les mondes réels et le monde imaginaire. Et puis ensuite, c'est vrai qu'on ne pouvait pas passer à côté d'un panorama esthétique, de son évolution esthétique, tout en essayant de souligner combien, à la fois dans les techniques de narration, qui sont très fortes chez Matsumoto, il y a un sens du rythme qui est absolument incroyable, mais également dans l'utilisation de symboles, de motifs récurrents, il réussissait à conserver une unité et une cohérence assez fascinante dans une œuvre qui ne cesse de se réinventer et de changer au niveau graphique, au point que parfois, si on met deux œuvres, si on met Amer Béton et Samouraï Bambou côte à côte, on a du mal à croire que c'est le même auteur. Mais quand on lit, on se rend compte qu'il y a le même fond et qu'effectivement c'est le même auteur. Le travail de Matsumoto est caractérisé d'une part par une narration sur le rythme, sur... il fait ses débuts dans le manga de sport. Le manga de sport, c'est très codifié. S'il n'y a pas de rythme, ça ne tient pas, ça tombe en morceaux. Donc c'est une bonne école. C'est les premières histoires. Il y a une histoire de baseball, une histoire de boxe, puis on revient au baseball. Il fera un petit peu plus tard ping-pong, mais on est sorti de l'apprentissage à ce moment-là. Donc il y a cet aspect d'utilisation du rythme, et notamment dans des structures particulières qui sont des structures en trois étages, hein, des pages très divisées en trois éléments. Alors dans le manga de sport, on pourrait résumer ça comme action, réaction, émotion. Donc action, on voit le lanceur de baseball qui lance la balle, réaction, on a le batteur qui s'apprête à taper, et émotion, on a les spectateurs qui retiennent leur souffle. Et ce dispositif-là, il va le prendre, il va légèrement le modifier, on a beaucoup de plans
planches qui sont avec quatre éléments. Et il va utiliser ça pour faire une sorte de tressage, de tresser à la fois des éléments qui sont des éléments d'action, des éléments de souvenir, des éléments purement symboliques. Il y a une page, par exemple, dans la mer béton où Blanco vient de se faire poignarder. Et cette page, si on la regarde, sont quatre longues cases superposées. On voit le visage de Blanco qui est surpris. Une fleur, puisque les fleurs sont souvent associées à la violence chez Matsumoto. On voit son abdomen avec le manche du couteau qui dépasse, ou de l'épée, et à nouveau des fleurs en dessous. Et là, on voit vraiment comment on a une décomposition avec des éléments symboliques, les éléments, une sorte de révélation. Et ce genre de dispositif-là, qui moi m'évoque un petit peu le haïku et toute la poésie japonaise, où on met deux, trois éléments, et puis brusquement on a quelque chose, un pas de côté, une sorte de surprise, c'est quelque chose qui est très très présent chez Matsumoto. Moi, j'ai beaucoup de tendresse et d'admiration pour l'œuvre de Matsumoto Taiyo. J'ai découvert, comme beaucoup, je pense, avec la publication de La Mer Béton dans les années 90, et j'ai suivi depuis. Et à chaque fois, c'est vraiment un auteur, moi, qui m'a fasciné dans ses évolutions, dans la sensibilité de ses œuvres. Alors, il y a forcément des choses qui résonnent plus ou moins avec moi, comme toujours, mais c'est normal. Et je pense que c'est vraiment un auteur qui est... voilà, c'est bête de dire ça, c'est un auteur à part entière, mais c'est clairement un grand de la bande dessinée internationale. C'est un auteur qui a gardé contre vents et marées, qui avait son idée, qui a voulu faire ses histoires, et qui a surtout ce qui est très touchant, c'est que quand on relit toute l'histoire, toutes les œuvres de Matsumoto à la lueur de ce qu'on sait en lisant Sony et en creusant, enfin tout le travail qu'on a fait en préparant le catalogue, en creusant un petit peu plus dans sa biographie, ça éclaire toutes les choses. On se rend compte que pendant 30 ans, il a utilisé ce matériau intime, ce traumatisme de l'enfance pour alimenter son œuvre. Et moi, je suis très très curieux de voir ce qu'il va faire maintenant, une fois qu'il a en quelque sorte pas purgé, mais disons abordé de plein front ce traumatisme de l'enfance, savoir qu'est-ce qu'il va faire après. Il y a vraiment une idée de cycle qui s'est terminé sur ces 30 ans avec Matsumoto Taiyo, et je suis vraiment très très curieux de savoir ce qu'il va faire ensuite. Mais c'est clairement un très très grand auteur, et on est absolument ravis d'avoir cette exposition qui, on l'espère, est à la hauteur de son talent.